这是一条让我能触摸祖先的路。या ठिकाणी नोकरी धंदा व व्यवसाय या संधी 12 महिने उपलब्ध असतात. I am working in wind farm and as well as for my hometown. I believe very soon I will see the train traveling and they use it in farming. Asia. Itai Ilu. À la National Gallery of Art est conservé un chef-d'œuvre du grand peintre italien Giovanni Bellini, Le Festin des Dieux. C'est le dernier tableau créé par Bellini, inspiré des fastes du poète romain Ovide. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce tableau, on utilise des porcelaines bleues et blancs de Chine. This subject is an ideal drinking party up on Mount Olympus where the gods are participating. And for this elite group, the finest tableware would certainly be appropriate. And the finest ceramics of the day were Chinese porcelain. Le Festin des Dieux fut créé en 1514. À cette époque-là, les porcelaines bleues et blancs de la dynastie des Ming étaient exportées vers le monde entier à travers la route de la soie maritime. Aujourd'hui, aux États-Unis, dans les restaurants ou les cafés, des vaisselles aux tasses à thé, la plupart des porcelaines viennent de Chine. En tant que gros consommateur de céramique, les États-Unis importent chaque année des céramiques à usage quotidien pour un montant de 1 milliard de dollars, dont plus de 400 millions de dollars rien que pour celles fabriquées en Chine. À l'ère de la mondialisation, le commerce est omniprésent dans le monde. On procède aux échanges de marchandises et de services à tout instant. Comme l'importance de l'eau et de l'air pour la vie, le commerce est indispensable à la civilisation. Il s'agit de l'activité la plus ancienne et la plus fréquente de l'humanité, mais aussi d'une force qui change le monde. À la British Library à Londres est conservée une série de lettres des Sogdiens,
considérées comme les archives les plus anciennes de la langue sogdienne. Elles ont été découvertes en 1907 par l'explorateur Stein, dans un désert à 90 km de Dunhuang, en Chine. Sur l'enveloppe de colis en soie figuraient aussi ces mots en sogdien, à Samarkand. Les lettres découvertes par Stein mentionnent beaucoup de marchandises, par exemple les fils de soie, le lin, le poivre, le musc et même le camphre de la zone subtropicale. Ces lettres auraient été écrites vers l'an 313 ou l'an 314. Elles mentionnent aussi des toponymes comme Luoyang, Chang'an, Wuwei, Jiuquan, Dunhuang. Quand les Sogdiens étaient actifs dans les affaires, les villes de Luoyang, Chang'an, Rotan, Kashgar, Samarkand, Bagdad, Damas et Istanbul étaient déjà devenues des centres commerciaux sur la route de la soie et elles restent de nos jours des lieux importants pour le commerce et les échanges de marchandises. La route de la soie a été à l'origine à l'époque du commerce transfrontalier de la plus grande envergure au monde et en même temps a perfectionné la disposition des villes commerciales qui ont ensuite exercé une influence profonde. Le philosophe allemand Hegel a dit « Les alizés en mer sont un appel au commerce ». À l'aide des alizés, l'homme fait du commerce en mer depuis très longtemps. C'est pourquoi on appelle aussi les alizés les vents commerciaux. De 1405 à 1433, sous les alizés, la flotte de Zhang He a fait 7 expéditions et réalisé en haute mer du commerce d'une envergure sans précédent durant la Chine antique. Avec l'amélioration des techniques de construction navale et de la navigation, le commerce des marchandises à large débouché est passé des voies routières aux voies maritimes. L'épave du Nanrai 1 de la dynastie des Song du Sud a été découverte en 1987 dans la zone maritime de Yangdiang au Guangdong et entièrement sortie de la mer en 2007. Il y a plus de 700 ans, ce bateau marchand colossal de 41,8 mètres de long, de 11 mètres de large et de 4 mètres de haut est parti du port chinois pour l'Asie du Sud-Est. Mais il a péri en mer à mi-chemin. Le bateau naufragé était chargé de toutes sortes d'objets, dont 60 000 céramiques. On estime que la capacité maximale du Nanrai 1 atteignait environ 425 tonnes, un chiffre vraiment étonnant. Aujourd'hui, la mer reste pour la Chine sa plus importante voie de commerce international. 90% de ses échanges internationaux dépendent du transport maritime. L'initiative de la ceinture et la route donne un nouveau dynamisme au port côtier de la Chine. Guangzhou, ville apparue et développée avec le commerce maritime, est un centre commercial prospère depuis un millénaire. Étant l'un des ports internationaux les plus importants de Chine, le port de Guangzhou traite avec les 20 plus grands armateurs du monde. En 2015, 73 lignes commerciales partaient du port en direction
du monde entier. Yang Haiyuan est le marin le plus chevronné du bateau. Il conduit ce qu'on appelle un bus de navette. Les bus de navette transportent les marchandises mises dans des containers des régions intérieures au port de Guangzhou par voie fluviale pour qu'elles soient ensuite mises sur les porte-conteneurs. Le port de Guangzhou est relié à plus de 350 ports de plus de 80 pays et régions. Le delta de la rivière des Perles, où se situe le port de Guangzhou, produit un dixième des biens de consommation du monde. Depuis le grand port de haute mer, les produits manufacturés seront ensuite acheminés vers le monde entier. Les bus de navette jouent un rôle spécial dans l'interconnexion des lieux de production et du port. Depuis la mise en service des bus de navette au port de Guangzhou, Liang est toujours le capitaine. Il a assisté à l'augmentation des bus de navette, passant d'une dizaine à une cinquantaine. S'appuyant sur les denses réseaux navigables de la rivière des Perles, les 51 lignes de bus de navette couvrent tous les quais principaux du delta et du pan delta de la rivière des Perles et transportent chaque année 1,2 million de conteneurs standards. Les cargos qui font la navette entre les fleuves et les mers relient étroitement le port de Guangzhou et les vastes régions économiques. Guangdong会全方位地参加“一带一路”建设，推进我们和“一带一路”沿线国家的全面的这个投资和经贸的合作。一方面呢，是加快构建我们对外开放的新格局和新体制；另外呢，也是更好地服务于国家开放发展的战略全局。 Quand les régions littorales développent le commerce portuaire, dans le Xinjiang, au nord-ouest de la Chine, le commerce transfrontalier prend aussi son essor. La saison de récolte des tomates arrive. Leur couleur rouge prédomine cette grande étendue. Originaire d'Amérique du Sud, la tomate s'est répandue en Chine sous la dynastie des Ming, à travers la route de la soie maritime. Quand elle a été introduite en Asie de l'Est, personne ne pensait que le Xinjiang deviendrait un lieu idéal pour sa plantation. Le climat sec et peu pluvieux, une longue période d'ensoleillement et un grand écart de température entre le jour et la nuit permettent d'obtenir des tomates de grande qualité. Les tomates cueillies seront envoyées au Kazakhstan et en Russie. Dans 3 ou 4 jours, les tomates fraîches seront parvenues au supermarché ou au marché de légumes de ces pays. La mise en place d'une voie verte de l'exportation de produits agricoles a balayé les obstacles à la vente transfrontalière des tomates. En décembre 2013, une voie verte a été ouverte entre le port chinois de Bakotou et le port kazakh de Bakote. Les deux pays examinent rapidement les déclarations des produits agricoles et laissent passer les véhicules avec le label de la voie verte afin d'accélérer leur passage en douane. C'est la première voie express de dédouanement de produits agricoles entre la Chine et ses voisins. Grâce à cette voie, en 2014,
plus de 10 000 tonnes de légumes ont été transportées à travers le port de Bakotou pour une valeur de plus de 9 millions de dollars. À cause du froid extrême, le Kazakhstan ne produit quasiment pas de légumes en hiver. Les légumes, traversant la frontière, répondent aux besoins quotidiens des habitants. Ces dernières années, le volume des échanges annuels entre le Xinjiang et le Kazakhstan dépasse 11 milliards de dollars, soit plus de 40% celui entre la Chine et le Kazakhstan. En 2014, la Chine avait établi 70 ports frontaliers avec 11 pays voisins, ouvert 289 lignes de transport de passagers et de marchandises, totalisant environ 40 000 km. En 2014, par les routes internationales, la Chine a transporté 39,58 millions de tonnes de marchandises sur 1,5 million d'entrées et de sorties de camions. AEO est l'abréviation anglaise pour opérateur économique certifié. C'est-à-dire que l'entreprise certifiée par la douane est fiable pour celle-ci et bénéficie donc d'un rapide dédouanement. Depuis 2015, la douane chinoise a instauré la reconnaissance réciproque de l'AEO avec les douanes de Singapour et les douanes de Corée du Sud. Ainsi, les partenaires commerciaux sûrs de ces deux pays et les entreprises certifiées par la douane chinoise bénéficient tous des avantages accordés par l'autre partie lors du passage en douane. Prenons par exemple les marchandises exportées en Corée du Sud. En moyenne, 5,6% des marchandises ordinaires sont inspectées. La durée du dédouanement est de 2,3 heures. Par contre, parmi les marchandises de l'AEO, seulement 0,1% sont examinées et le dédouanement ne dure que 1 heure et demie, soit une réduction de 98,2% et de 34,7%. En ce moment, la Chine procède à la reconnaissance réciproque de l'AEO avec les États-Unis et d'autres partenaires commerciaux. Des efforts effectifs sont déployés pour faciliter davantage le commerce. Le port de Nansha est une voie importante pour l'importation de fruits tropicaux dans l'arrière-pays de la Chine. Autrefois, les marchandises devaient attendre longtemps au port avant d'être autorisées à passer. Les boîtes de fruits frais étaient souvent coincées au quai. Maintenant, la douane de Nansha a ouvert des guichets spéciaux pour les fruits et les produits congelés qui exigent un passage rapide à la douane. Ces produits sont prioritaires pour la réception, l'inspection et l'autorisation. Chen est déclarant en douane d'une compagnie de fruits de Guangzhou. Comme il a déjà effectué la déclaration en ligne, il n'a qu'à faire vérifier le certificat d'origine des fruits en douane. L'ensemble du processus dure moins de 5 minutes.因為我哋啲水果咧就係屬於熱帶水果，比較容易腐爛，唔放得耐嘅。以前嘅話咧就去海關呢邊遞單嘅話咧，就同啲土貨一齊去排隊攞貨，一齊去等嘅。依家嘅話咧，佢就對我哋水果嘅話咧就有個優先權喺度，所以我哋遞單速度咧都係比較快嘅。 Grâce au système de gestion intelligent du port et au système d'inspection rapide,
Les fruits peuvent passer à la douane le jour même, augmentant l'efficacité d'au moins 50%. En 2015, la quantité des fruits importés par l'entreprise de Chen a augmenté de 150% par rapport à l'année précédente. Le lendemain, les fruits tropicaux comme les ananas, les pitayas et les papayes apparaîtront sur les marchés de gros de Guangzhou et seront vendus ensuite à l'arrière-pays. Poussé par l'initiative de la ceinture et la route, le dédouanement est plus rapide, le commerce est plus facile. Le 1er mai 2015, 10 douanes sur la ceinture économique de la route de la soie, dont Qingdao, Jinan, Zhangzhou, Xi'an, Yinchuan, Lanzhou et Urumqi ont mis en service un système d'intégration régionale du dédouanement. Sous ce système, les entreprises peuvent choisir librement le lieu de déclaration, du versement des taxes et du passage, concevoir chacune leur plan de logistique approprié, de sorte de passer plusieurs douanes aussi facilement que d'en passer une seule. Nous 海陆空交通枢纽建设多式联运海关监管中心完善渝新欧等中欧班列便捷通关协作机制扩大中欧监管结果互认合作项目的实施范围推动沿线国家通关管理措施的协作与兼容 支持"一带一路"国际大通道建设。 L'Espagne, à l'extrémité ouest de la route de la soie, possède la plus grande surface de vignes qui compte au total 1,2 million d'hectares. La péninsule ibérique, où coexistent le climat continental et le climat méditerranéen, donne naissance aux meilleurs raisins du monde. La plupart des distilleries espagnoles ont au moins un siècle. Les raisins y sont transformés à l'aide des techniques les plus raffinées en bon vin connu du monde. Mao Yanwei est un marchand chinois de Wenzhou. Il aime le goût fin et riche du vin espagnol. Il passe une grande commande à son fournisseur et va exporter ses vins de bonne qualité en Chine, vaste marché du domaine en croissance rapide. Outre le marché, l'optimisme de Mao Yanwei vient aussi d'une voie commerciale transcontinentale récemment ouverte entre l'Asie et l'Europe. En novembre 2014, le train express reliant Yiwu en Chine à Madrid en Espagne a été mis en service. Depuis le col d'Alata au Xinjiang, il traverse 7 pays à travers 13 000 kilomètres. Café d'argent.
Et où possède le plus grand marché de petits articles du monde. Le train express Chine-Europe transporte d'un côté les petits articles et produits électroniques chinois en Europe. De l'autre côté, les vins et huile d'olive espagnole en Chine. Le train express international part de Madrid avec 10 conteneurs standards de vin espagnol commandés par Mao Yanwei. Ils arriveront à Yiwu en Chine dans 20 jours.这些年来呢，中央赋予了浙江一些先行先试的改革任务，比如有海洋经济发展示范区、舟山群岛新区、义乌市国际贸易综合改革试点，这些个国家战略举措和改革试点的深入实施，为我们省参与“一带一路”的建设呢，带来巨大的战略叠加效应。 Amir, marchand pakistanais de 54 ans, vit depuis déjà une vingtaine d'années à Kashgar, importante ville de la route de la soie. Chaque année, quand le printemps arrive, les glaces et les neiges fondent au col de Runjerab. Amir, comme un oiseau migrateur, quitte Peshawar au Pakistan pour Kashgar en Chine. Ici, c'est un peu comme son deuxième chez lui. Amir vend principalement de petits équipements hydrauliques chinois au Pakistan. Pour l'appel d'offres des équipements d'une petite centrale hydroélectrique, il travaille beaucoup et négocie avec un fournisseur de Mianyang au Sichuan. Après la négociation, Amir vient au dépôt de marchandises. Deux camions d'équipement vont partir pour le Pakistan. Pour Amir, Kashgar est un lieu ancien, mystérieux et plein d'opportunités. Kashgar, appelé Shule dans l'Antiquité, est un point incontournable sur la route de la soie. 5 portes relient Kashgar à 8 pays, tandis que la route de la soie relie l'Europe et l'Asie. À présent, Kashgar est en train de devenir un pivot du transport, ainsi qu'un centre commercial et logistique vers l'Asie centrale et l'Asie du Sud. Des infrastructures au parc industriel, des projets construits à l'aide des régions développées de l'Est de la Chine se sont déjà installés à Kashgar.